En 2024, voici les trois façons les plus simples et efficaces de générer des revenus en ligne grâce aux réseaux sociaux. Et je le sais parce que j'ai commencé à générer de l'argent en ligne à temps plein en 2020. Et il y a pas mal de choses qui ont changé depuis que j'ai commencé à ce moment-là. Mais ces trois véhicules sont vraiment les meilleurs si tu es en train de te lancer ou si tu veux développer ton activité. La première, ça va consister à devenir un créateur de contenu, créer du contenu sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, et dans le but vraiment de monétiser à travers les partenariats avec les marques. Donc tu peux aussi faire des partenariats avec différentes marques ou même créer des produits numériques que tu vas vendre à ton audience liés à ton expertise dont tu parles dans tes vidéos ou dans ton contenu. Le second chemin, c'est d'avoir une agence et créer vraiment un service que tu vas offrir en tant que freelance, consultant ou même avoir une agence, pourquoi pas, de marketing à travers laquelle tu travailles avec tes différents clients. C'est par exemple ce que moi j'ai fait quand j'ai commencé. J'ai une agence marketing que j'ai lancée à travers laquelle j'ai aidé mes clients à atteindre un résultat précis en travaillant pour eux. La troisième stratégie, c'est vraiment ici d'avoir une sorte de stratégie hybride entre le modèle de créateur de contenu et l'agence. Tu seras vraiment ici comme un coach ou un consultant et avec lequel tu vas travailler avec tes clients, les accompagner véritablement, créer un coaching de groupe, créer une formation dans laquelle tu vas les accompagner d'un point A au point B. Et chacun de ces trois modèles fonctionne très bien, ça dépend vraiment de celui qui te parle le plus. Dis-moi en commentaire si tu opères en ligne, quel est le business model que tu as présentement et où que tu veux présentement lancer et quelles sont les questions spécifiques que tu as sur chacun de ceux-ci. Il me fera un plaisir peut-être de faire une vidéo où je fais plus un deep dive sur chacun des business models et des avantages et des inconvénients de chacun d'entre eux si tu es intéressé.